Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit haul. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté au salon Creativa. Juste avant ça, vous avez vu certainement donc ce que je vous ai montré, ce que je vous ai filmé, les coulisses. Bon, il y a beaucoup de vendeurs qui ne voulaient pas que je filme pour éviter les contrefaçons. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'y suis allée donc avec ma Kizzy qui est juste derrière moi en train de faire. En train de peindre une boîte au gesso. Donc, si vous entendez des bruits bizarres, ça vient d'elle. J'y suis allée avec Véro du haut du village. Et donc, j'y ai rencontré trois abonnés. Donc, il y avait Claudine V, Claudine Villemin. Je ne sais pas si je peux dire son nom, mais bon, tout le monde la connaît. Claudine Villemin, qui est juste un amour. J'ai rencontré également ma Bibi, Marie-Sylvie. Donc, c'est la vilaine abonnée qui ne veut pas me donner son chat et qui me nargue. Et Audrey qui a la chaîne House of Scrap, avec qui on a fait un échange. Donc je vous montrerai ça soit après la vidéo, soit dans une vidéo à part, parce que bien évidemment, elles ne sont pas venues les mains vides. Donc j'arrête de parler et je vous montre. Alors, grosse déception, j'ai trouvé chez l'anglais, parce que l'année dernière, il y avait beaucoup de coloris d'encre. Je voulais en reprendre cette année, et en fait, il n'y avait plus rien. Il a été fauché, le pauvre. Donc sa boutique, c'est celle-ci, Carol's Crafts. Vous excuserez mon anglais, hein. Donc j'ai juste pris trois pas d'encre Distress Oxide parce qu'il n'y avait plus rien. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de... L'année dernière, il y avait beaucoup de feuilles 30-30. Là, il n'y en avait pas. Le double face, il n'y en avait pas non plus. Enfin bref, il n'y avait rien du tout. Donc c'est pas grave, ça m'a fait économiser de l'argent. Alors j'ai pris celle-ci. Donc j'ai pris que des oxydes. Bon, je ne vous lis pas le nom parce que voilà. C'est juste imprononçable. Alors, celle-ci qui est dans les teintes... alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un orangé, mais vraiment très, très pâle. Celle-ci, je suis contente de l'avoir. Donc, c'est un gris. J'en avais pas. J'ai pas de gris, donc je suis contente de l'avoir. Et on a celle-ci qui est vraiment très, très belle. Un orangé un peu plus soutenu. Donc, c'était 15 euros les trois pattes d'encre. Donc, ça reste correct au niveau du tarif. Donc, voilà, j'ai juste pris ça chez Monsieur Langlais, qui était vraiment très, très sage cette année. C'est pas pris une poignée de confettis dans la tête. Ensuite, au stand Scrap Colors, donc Pichard, Henriette, Irène. Donc je vous montre. Donc il y a un temps pourri, vous avez le reflet de ma lampe. Je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. Kizzy a ramené la pluie. C'est pas vrai. Alors, j'ai trouvé. Donc, sous les conseils de ma Kizzy pour faire du mix média, je vais tester cette colle. C'est une colle? Donc, c'est 3D Matte Gel. Je ne connais pas du tout. Donc, on va tester ça. Elle va me montrer comment l'utiliser, etc. Donc, moi, je prenais la colle néoprène. Mais c'est vrai qu'après, on peut toujours avoir l'effet brillant sur une créa en mix média. Et ce n'est pas forcément ce que j'aimerais voir apparaître. Et là, du coup, ça fait mat en séchant. Et on peut la recouvrir. C'est ça, je dis pas de bêtises? Bon, voilà. Donc, ça, c'était 9,90 €. Non, je ne sais même plus, il n'y a pas les prix. Oui, je crois. Enfin, moins de 10 euros, 9 quelque chose, entre 9 et 10. Donc ça, je vais tester. Ensuite, j'ai pris un distresseur. Ça aussi, j'ai testé celui de Kizzy et c'est juste génial pour vieillir le papier.
Avant, j'utilisais une paire de ciseaux, mais ça, c'est vachement bien, ce petit outil. Alors, c'était 3,90 €, donc dans cette même boutique. Donc, j'ai trouvé pour mon projet une petite, un petit fermoir comme ça. Je vous le montre. C'était 2,80 €. Pour mon futur projet que vous allez voir très rapidement. Donc, ça fait une espèce de petite pression comme ça. Alors, si j'arrive à le mettre. Franchement, il est super joli. On a l'impression que le métal a été sculpté. C'est vraiment super beau. Je ne sais pas encore comment je vais l'accrocher. Certainement avec des brads ou des petits clous. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais en tout cas, je vais utiliser ce système pour fermer ma créa. Vous verrez bientôt. Et ensuite, j'ai pris également dans cette boutique. Donc toujours pour la même créa, ça va peut-être vous donner un indice sur le thème et j'en dis pas plus. J'ai trouvé cette petite breloque en forme de chouette ou de hibou, je sais pas. Voilà. Et alors là, je suis tombée amoureuse de cette toute petite fiole en verre. Bon, c'était pas donné à 80 centimes le tout petit flacon, mais bon, c'est pas grave. J'en ai pas pris 50 non plus. Voilà, donc ça, c'était dans la boutique Scrap Color. Non. Oui, ici. Colors, voilà. Et ensuite, donc dernière boutique où j'ai craqué mon slip, il y avait des choses vraiment superbes. Alors, pas de place, mais celle-là. Alors, j'y allais pour deux choses en fait. Alors, la première, je l'ai trouvée, c'est encore c'est Kizzy qui m'a montré. Je vous montre, c'est super lourd. C'est ce, alors, c'est de Tonic Studio, donc c'est extra large glass cutting mat. Donc c'est le tapis de découpe, enfin c'est pas un tapis mais donc en verre de Tonic Studio. Donc ça c'était vraiment un truc que je voulais acheter au salon, enfin déjà voir par rapport au prix si ça valait le coup ou pas. Et là franchement ça valait plus que le coup puisque je l'ai payé 21 €. Et c'est du format A3. Donc on va changer de décor, vous aurez plus le vieux tapis vert tout pourri de chez Action. Vous aurez la jolie planche de chez Tonic Studio. Mais alors franchement moi je le voulais pour faire l'aquarelle, pour faire... prendre ma pâte à texture et pouvoir la mettre dessus, ça va se nettoyer facilement. Et puis voilà. Donc ça c'était 21 €. Je vais le remettre là. Merci madame. J'ai mon assistante à côté. Ensuite j'y allais pour une deuxième chose. Bon, on s'est un petit peu trompé. Je voulais une planche de rainurage pour pouvoir faire les plis sur mes pages 30-30. Et Kizzy m'a dit, oh regarde, ça fait les deux, ça fait massicot et planche de rainurage. Je dis, oh, bah, c'est super, du coup elle l'a pris aussi, moi aussi, mais on s'est planté, ça fait juste massicot. Donc c'est pas très grave, hein. Donc je testerai, je vais quand même le garder. Mais du coup, il va falloir que je prenne quand même une planche de rainurage. Alors ça, c'était 25 €, c'est aussi de Tonic Studio, on va tester. Et j'ai pris les recharges de lames qui vont avec, qui sont à 4,50 €. Voilà, donc ça c'était... Ah pardon, je m'ai oublié de vous dire... C'était la boutique, alors c'est une boutique belge, Art Avenue Scrapbooking. Là, je vous laisse les liens si vous voulez aller sur leur site pour commander. Franchement, ils ont des choses vraiment très belles et pas chères. J'aurais pris plus, mais bon voilà, il fallait un porte-monnaie un peu plus gros avec plus de sous dedans. Ensuite, j'ai trouvé deux planches de tampons qui sont juste trop belles aussi, à 6 € l'unité. Donc la marque, c'est Viva Décor. Non, c'est pas ça. Si, Viva Décor. Le reflet, ça m'énerve. Donc, j'ai pris celle-ci sur le thème de Noël avec des anges et des tags. Donc, on voit pas super bien à cause du reflet, mais je vais pas l'ouvrir. Hop. Donc là, vous la voyez un peu plus en détail. Merry Christmas avec une petite étoile. Et j'ai pris celle-ci également à 6 €. Alors là, j'adore la montre. Ici, on a tampon texte. Ici, on a un stylo à plume, un chapeau haute forme avec des rouages, une paire de lunettes. Charmant jeune homme. Ensuite, on a une flèche. On a vintage. On a le tampon avec des mesures. Et ça, c'est quoi? Numéro 68. Ah, y a quoi? Faut un gentleman. On a également des petites taches. Enfin bref, je trouvais que c'était une jolie planche, donc je me la suis prise. Ensuite, j'ai pris également, toujours dans l'optique de faire un peu plus de mix média,
Je me suis pris trois pochoirs. Alors, c'était 4,05 € l'unité. Donc, j'ai pris celui-ci avec des rouages. Donc, ça, soit je peux l'utiliser avec la pâte de structure ou alors en faisant des empreintes avec des encres. J'ai pris celui-ci avec des partitions de musique. Donc, 4,05 € également. Donc, la marque, c'est ça. Et le troisième, avec l'imprimé, c'est des écritures. Parce que c'est vrai que des pochoirs, j'en ai pratiquement pas. Bon, j'ai ceux de chez Action, mais honnêtement, pour les utiliser avec de la pâte à structure, c'est trop souple, c'est pas facile et pratique à travailler. Donc là, j'en ai pris trois, vraiment dans des esprits différents. Et je pense que je vais bien pouvoir m'éclater avec ça. Et du coup, dans cette boutique, vu que... on y a laissé quand même un petit peu des pépettes. On a eu le droit de choisir un classeur de gaufrage. Donc, ça fait quand même un cadeau de 4 €. Alors, là-bas, c'était combien ? 4,40 €. Voilà. Donc, gratuitement. Et j'ai pris celui-ci avec tous ces... Donc, pour les junks, ce sera bien. Avec l'effet tampon de poste. Donc, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, je vous ai montré tout ce que j'ai pris donc, au salon. Je suis vraiment très, très contente. J'y allais vraiment pour la planche à rainurer et le tapis de coupe. Bon, la planche à rainurer, je la prendrai sur Craftelier vu que je me suis trompée, donc c'est pas grave. Chez l'anglais, comme je vous ai dit, j'ai vraiment été très déçue parce que je voulais me prendre un petit stock d'encre Distress et il n'y avait rien. Bon, à part les trois que je vous ai montrés, il y avait juste 4 nuances. Donc, un peu déçue de ça, mais bon, ma foi, tant pis, c'est pas grave. Et très contente quand même pour les tampons, pour les pochoirs, etc. Voilà, alors je vois que j'en suis à 10 minutes de vidéo. Donc, je vais vous montrer également, vu que ça fait également partie du salon. Hein. Donc, comme je vous ai dit, j'ai rencontré donc Claudine Villemain, avec qui on a un petit peu papoté, et Marie-Sylvie. Et elles m'ont offert des cadeaux, allez pas. Donc, je vais vous montrer ça et ouvrir ça avec vous. Donc, je n'ai encore rien ouvert. Hein. Comme vous savez, je préfère faire ça en vidéo. Alors, on va commencer par ma Claudine, franchement, qui est juste adorable. Elle est venue vers moi toute timide. Miss Mium Mium, je fais oui, c'est Claudine. Elle m'avait mis un petit message en commentaire sous une vidéo en me disant qu'elle viendrait. Mais je ne l'ai pas vue. Comme il y a Kizzy, on fait plein de choses. Et du coup, c'est vrai que je ne suis pas trop sur les réseaux. Et donc, c'était vraiment la surprise totale. Marie-Sylvie, je savais qu'elle venait. Elle me l'avait dit. Mais Claudine, je ne savais pas du tout. Donc, c'était trop choupinou de l'avoir toute... tout ému, tout timide de venir vers moi, j'ai adoré. Et du coup, regardez ce qu'elle m'a fait, c'est trop gentil. Alors ça, c'est vachement bien. Comme je lui ai dit, j'en ai toujours 2-3 dans le sac. Donc elle m'a cousu, enfin elle m'a créé un sac cabas en tissu, qui est vraiment magnifique. En plus, elle s'est carrément amusée à le doubler. Donc dans les tons de bleu, alors on a celui du devant avec des toutes petites fleurs blanches. Voilà, donc on a le bas du sac, voilà, l'autre côté. On a les anses, donc ça c'est bien. Moi en général, ce que je fais, donc je les plie, parce que quand je vais en course, ou admettons chez Action, ou chez Nose, etc., et que je sais que je ne vais pas vouloir forcément prendre un caddie ou un panier, ben je les plie et je les mets dans mon sac. Et du coup, quand j'achète 2-3 bricoles, ben je prends le petit sac là et hop, ça m'évite d'en acheter à chaque fois. Donc là, on a les petites anses et l'intérieur. Alors, comme je vous ai dit, elle l'a doublé. Alors, on a la partie là où c'est du bleu uni. Voilà. L'autre côté, c'est du blanc avec des gros pois, avec deux nuances de bleu. Et elle m'a également fait, ça c'est vachement bien, une petite pochette. Voilà, pour les petites choses, pour éviter de les perdre. Donc ça fait double pochette là, je l'ouvre, ça fait une autre pochette là, et ensuite on a le sac. Donc franchement, plein de gros bisous ma Claudine, c'est vraiment adorable d'avoir pris le temps de me faire ce joli sac. Et puis à chaque fois que j'irai en course et que j'utiliserai, comme ça je penserai à toi. Il est vraiment superbe. Merci beaucoup. Et ensuite, donc elle m'a dit, j'ai pas ouvert non plus, qu'elle avait pensé à mon popotin. C'est trop gentil, il fallait pas. Et donc là non plus, comme je l'ai dit, j'ai pas ouvert. Donc on a un petit cadeau comme ça, bleu. Ah mais j'avais pas vu. Alors, plaisir d'offrir.
David et Marie-Laure Cuny, chocolatier Rambervillers. Oh, du chocolat. Alors, je vais ouvrir. J'ai pas envie de casser l'emballage. Je vais le garder, tant qu'à faire. Ah non, c'est une agrafe. Hop. Et donc, Claudine m'a donné également une astuce. Pour ceux qui n'ont pas le pic... je vous la redonne l'astuce parce que j'y avais... Enfin, c'est vrai qu'il faut y penser. Pour ceux qui n'ont pas le pic comme ça, Tonic Studio. Alors en fait, Claudine a été chez Emmaüs et elle a trouvé des grosses aiguilles de... Vous savez, pour coudre les matelas. Donc c'est vrai qu'ils sont vachement grandes et vachement épaisses. Et elle les a... Enfin, elle a payé 30 centimes l'aiguille. Donc ça vaut vraiment le coup et je pense que ça peut être vraiment pas mal également pour... Des rinettes, on dirait des truffes. Oh, miam, 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 miam. Oh, je vais goûter ça après. Alors, je ne connais pas. Donc, ça peut être bien, je disais, pour traverser les livrées. Mais fallait y penser. Donc, si vous avez un Emmaüs qui est près de chez vous, et ben, n'hésitez pas à regarder si vous trouvez des aiguilles de matelas. Donc, nos rinettes, fabrication maison. Alors, je ne connais pas du tout. Ça ressemble à des truffes. Puis, elle m'a mis un gros paquet. Hein. J'ai de quoi faire. Hein. Je vais prendre... 5 cm de tour de fesses en plus avec ça. Ça a l'air vachement bon. Donc, nos rinettes, je ne connais pas. Merci infiniment, ma Claudine. Et plein, plein, plein de gros, gros bisous. Puis, j'ai hâte de voir ta surprise. Ben, tu sais de quoi je parle, mais j'en dis pas plus en vidéo. Merci, merci. Ensuite, alors j'en suis à 16 minutes. Je vous montre rapidement, il y a également Véro du haut du village. Donc c'est Véro qui habite dans le même village que moi, mais en haut du village. Moi, je suis au milieu, elle est en haut. Donc ce sera, on va la rebaptiser Véro du haut du village. Mais pareil, qui m'a pourri gâté. Donc elle m'a donné des grandes feuilles A3 holographiques. Bon, je ne vous les montre pas parce qu'elles sont trop grandes. Et elle m'a pourri aussi. Donc elle m'a mis des petites fleurs comme ça en papier. On a des petites fleurs, enfin des petites roses satinées, couleur écrue. Donc pour mes créas chabis, ce sera parfait. On a celles-ci qui sont trop belles, là, avec du ruban satiné et un petit, une petite perle strass au centre. Donc on a du violet, du vert, du rose, du bleu, du écru, du rouge. Elle m'a mis... Alors ça, elles sont superbes. Je ne sais plus si tu m'as dit que ça venait de chez Noz ou pas. Je ne sais plus. Là, on a des serviettes avec des partitions de musique. Franchement, elles sont trop belles. Ouais, c'est le même imprimé partout. Voilà. Avec des partitions de musique. Je ne sais plus maintenant si tu m'as dit que ça venait de chez Noz. J'ai un doute. Voilà, deuxième petit paquet de fleurs en papier. Ensuite, oui, à la base, elle m'a demandé si je voulais ça. Donc, elle aurait dû juste me donner ça. Et il y en a un deuxième. Voilà, c'est tout ce qu'elle devait me ramener. Elle m'a mis un gros sachet avec plein de choses. C'est de l'espèce de washi en tissu. Donc ça, pour les junk, je pense que ça va être top. Je vais peut-être vieillir avec la distress, enfin pour casser un peu ce rose qui est trop, trop flashy pour un junk. Donc je vais passer de la distress directement dessus. Mais ça, ouais, pour faire des petites pochettes dans les junk ou pour faire des tags, etc., ça va être top. Mais ça, ouais, je vais l'utiliser. Donc elle m'a mis un rouleau comme ça. Donc ça fait un petit peu baroque. Et on a celui-ci, avec des petites fleurs aussi. Et des comme des rayures, en fait. Voilà. Et ça, c'est en tissu, donc. C'est vachement bien. Ou même, il faudrait peut-être que j'essaie de voir si on peut faire des... Parce que comme ma toga, elle coupe le tissu, voir si j'arrive à faire des découpes, vu que c'est autocollant. Vous voyez, il y a une protection. Si j'arrive à faire des découpes en tissu, il faudrait que je teste. Pour coller justement toujours sur les junk, il faudra que je regarde. Enfin, j'ai des idées, je vais tester. En tout cas, merci Véro. Ensuite, elle m'a mis un paquet avec des petites fioles en verre. Donc ça va être vachement bien aussi pour les accrocher sur les charmes, sur le côté des junk. Vous mettez des paillettes, des billes, des microbilles, où vous pouvez même glisser, je sais pas moi, des toutes petites découpes. Ah, si j'y reviens. Des toutes petites découpes dedans. Enfin bref, je pense que je vais les accrocher sur le côté d'un junk dans les charmes.
Voilà, donc elle m'a mis un paquet avec 1, 2, 3, 8 flacons. Ensuite, elle m'a mis des petites roses comme ça en papier bleu. Donc ça tombe bien, j'avais pas beaucoup de bleu. Alors je sais pas si la marque Magnolia, vous savez, la petite fille, là, le petit personnage. Je crois que ça, tu m'as dit que tu les avais trouvées chez Nose. Et alors là, elle m'a mis des fleurs. Donc, elle les a trouvées chez Nose. Elle me dit, tu les as pas vues? Bah, vu tout ce qu'elle m'a mis dans le sachet, non. Bah non, je les ai pas vues, Véro, t'as tout acheté. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles. On a celle-ci, c'est des espèces de petites roses, comme ça, en papier aussi. Ça fait un vieux rose, la couleur. Elles sont super... Enfin, la couleur est super douce. Donc, on a celle-ci. On a les jaunes, comme ça. Ça me fait penser à un arôme. Avec le petit pistil, on dirait des microbiques au centre, hors champ comme d'hab. Ensuite, on a des petites fleurs comme ça en mousse. Elles sont aussi, c'est un bleu très très doux, avec le pistil central orange. Et je crois que... Ah non, on n'en a plus. Enfin, elle m'en a mis, je ne sais pas, au moins 3-4 de chaque. Bon, il n'y a plus d'autres modèles différents. Et ensuite, alors ça aussi, je ne sais pas où c'est que tu as trouvé. C'est du scotch avec un espèce d'imprimé dentelle. Je vais essayer de trouver... Ah ouais, c'est sympa le truc, là, je l'avais pas vu. Ça fait joli, mais du coup, il va falloir que j'utilise du papier... Oh non, même pas. J'allais dire une bêtise, mais non. Du papier noir, mais si je prends du papier vieilli au café, par exemple, vu que c'est blanc, ça ressortira quand même. Voilà, donc deux rouleaux effet dentelle. Je sais pas si l'autre, c'est le même ou pas. Non, ah celui-là il est joli. C'est super beau. Voilà, donc ça c'est tout ce que Véro du haut du village m'a offert. Donc plein de bisous Véro et puis bah merci pour toutes tes fleurs. Je sais pas chez qui tu as été curer les fleurs dans le jardin, mais elle va gueuler. Hein. Voilà, je remets dans le sachet. Et ensuite, 21 minutes. Donc c'est bon, je continue. J'ouvre l'enveloppe de Marie-Sylvie. Et je pense que je ferai une vidéo à part pour l'échange avec Audrey. Voilà. Désolée pour le bruit. Merci, assistante. Et donc, Marie-Sylvie, alias Bip Bip. Alors, je sais, elle m'a dit, si je viens au salon, sa fille faisait la collection des chats et elle en avait encore quelques-uns. Elle m'a dit, je t'apporterai ce qui me reste de la collection de ma fille. Je lui ai dit, oh, bah, c'est gentil, etc. Donc là, je vais vous les montrer. Donc, elle aurait dû venir juste avec ça. Et le chat. Le vrai chat. Et là, elle m'a bladé une enveloppe. Elle fait juste 3 tonnes, mais c'est pas grave. Donc on va regarder les minous. Je suis trop contente, ça va grandir ma collection. Alors. Oh, punaise, du scotch. Donc là, c'est plein de minous. Je vais prendre les ciseaux pour ouvrir. Oh la vache, il a l'air d'être tout petit. Oh. Ah, c'est pour le mettre en... En pendant, regardez, avec les pattes qui pendouillent. Donc ça, je sais pas, on dirait de la porcelaine ou... Il est super beau. Un tout petit mini chat. Vous voyez, vous pouvez le faire, admettons, vous le posez là-dessus. Et là, les pattes qui pendouillent. C'est trop mignon. Alors, je vais le mettre là en attendant. Ensuite, celui-là. Oh, de la même collection. Le chat, il regarde. En train de se... Bon, il y a le chat en train de se laver les fesses. Bon, ça fait partie de la vie, hein. C'est bien, il est propre. Donc, je crois que c'est la même teinte. Ouais. Ça, ce sera mon tout premier. Voilà. Le minou en train de se laver le popotin. Voilà. Monsieur est très propre. Voilà. Au dos, ça fait comme ça. Je sais pas, on dirait de la résine, mais... Hein. Je sais pas ce que c'est. Porcelaine. Porcelaine. Voilà.
C'est excellent. Ensuite, il y en a plein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors. Oh, celui-là, il est beau. Là aussi, on dirait la même matière. Regardez comme il est beau. Il est superbe. Un chat tigré. Oh, il est trop beau. Je sais pas comment s'appelle ta fille, mais en tout cas, tu la remercieras de ma part parce que franchement, ça, c'est un superbe cadeau. Oh, là aussi, il y en a... Je le vois à travers, il est trop beau aussi. Voilà. Je suis en train de batailler avec le papier bulle. Ah, celui-là, il a un collier. On a celui-là. Et là aussi, ça fait pareil. Il faut que je le mette sur un truc un peu plus haut. Et du coup, on a la queue qui pendouille dans le vide. Les trucs. Punaise. Donc celui-là, alors je vais le coucher là, du scotch. Oh, regardez, on a maman chat qui est en train de déménager son bébé là. Il a dû faire une connerie, hop, elle vient le rechercher et le remettre dans son nid. Oh, il est trop beau. Donc maman chat avec petit chaton dans la gueule, tout rayé. Oh, il est trop joli. Avec les yeux. C'est une catastrophe ce temps pourri, du coup le focus ne se fait pas. Donc on a celui-là que je vais mettre là après. Ah oui, il faut que je regarde les photos, il y en a un qui va là-dessus. Donc ça, c'est un petit tabouret pour mettre un minou dessus. Je ne sais plus lequel c'était, tu m'avais montré sur la photo, mais je ne sais plus, il faudra que je regarde. On a... Oh, celui-là est tout petit. On a celui-là en train de jouer. Il est vraiment minuscule. Il faudra que je le mette en hauteur, parce que si Poussin les voit, il va vouloir jouer avec, et à mon avis, ça casse. Ils sont trop beaux. Et le dernier, je crois que c'est celui qui va sur le... Ah non. Si. Je pense que ça doit être par rapport au chat qui... qui ont les éléments qui pendent. Comme celui-là, par exemple. Et là, c'est le deuxième tabouret qui va avec. Je sais pas, il y a un trou au milieu. Il va falloir que je regarde. Voilà, donc ça, c'est ce que Marie-Sylvie était censée m'offrir. C'était juste ça. En tout cas, merci infiniment. Ils vont trouver une place. Je te prendrai tout ça en photo et je te les enverrai. Et tu feras un gros, gros bisou à ta fille. Et puis, tu la remercieras de ma part parce que franchement... Ah non, il y en a encore un. Mon Dieu, j'allais le foutre en l'air, le pauvre. Tu la remercieras parce que franchement, ça fera une... Ça donnera, voilà, encore plus de cachet à ma collection de minous. Et là, on a un chat roux. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, il a une patte en l'air. En train d'essayer de choper un truc. Avec la queue en l'air. De toute façon, c'est dans la même lignée que les trois autres. Au niveau du coloris, ils sont vraiment trop beaux. Voilà, donc tu feras un gros bisou à ta fille. Tu la remercieras de ma part. Ça, c'est vraiment un superbe cadeau. Alors, je vais enlever ça. Et ensuite, alors ça, je vais enlever aussi parce que ça casse. Hop, hop. J'ai pas envie de casser un minou. Et ensuite, on a une énorme enveloppe avec écrit donc Ludivine Miss Miu Miu. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas ouvert. Désolée pour le bruit. Oh là là, tu l'as blindé. Ah, il y a des magazines de scrap, je crois. Tellement blindé, j'arrive même pas à sortir ce qu'il y a dedans. Bon, il faut que je fasse un par un. Des fleurs.
Ah si, ça tu m'avais dit. Oh là là. Des papillons crochets, j'adore. Elle est méchante, elle me nargue avec son minou. Elle m'a mis un calendrier de cette année avec le Maine Coon. Donc comme je vous ai dit, Marie-Sylvie, c'est une vilaine. Elle m'envoie toujours des photos de son chat. Elle a un Maine Coon noir et blanc, Gaylord. Il est juste trop beau. Et il fait ses poses sur les photos à croire qu'il doit le sentir et il fait exprès de montrer sa beauté. Et elle me nargue en me disant « Regarde mon chat comme il est beau !» Donc j'aimerais qu'elle me le donne. Son fils ne veut pas non plus, mais bon, c'est pas grave. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et là, elle me marque « Coucou, c'est pas la bonne couleur de Maine Coon, mais c'en est un quand même, mort de rire, bisous. » Donc par rapport à son chat, qui est noir et blanc. Mais regardez comme c'est trop beau à Maine Coon. C'est sublime. Et à l'arrière aussi, il est trop beau aussi. C'est un... Je sais pas si c'est un sacré de Birmanie ou un... Non, les Siamois, ils ont les poils courts. Pas c'est écrit. Ah si, c'est à moi. Avec de magnifiques yeux bleus. Oh, celui-là, je vais le laisser aussi dans ma scrap. Oh, merci Marie-Sylvie. Il est trop beau. Et là, on a un magazine de scrap. Non, si. Alors, je ne connais pas celui-là. Guide du papier créatif 2019. J'ai quelques bouquins, mais c'est ceux-là. Passion carte créative. Bon, je les achète seulement quand il y a des tutos qui m'intéressent, sinon je les prends pas tous. Mais ça, je connais pas. Et apparemment, il y a des gabarits, idées créatives pour jouer avec le papier. Ah, on a même les papiers. Vachement. Oh, mais c'est dommage. Ils ont mis le gabarit avec le. Avec elle a une jolie image. Je vous montre comme ça, je feuillette. Donc ça, c'est le magazine, je ne connais pas du tout. Donc on a des tutos, des idées, on a du papier. Il y a des gabarits pour faire des boîtes ou je sais pas quoi. Ça doit être des boîtes. Oui, là, ça doit être la boîte, le fond et le couvercle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, il y a le tuto pour fabriquer cette espèce de lanterne lumineuse vase. Enfin, je ne sais pas trop comment que ça s'appelle. Vraiment. Une lampe dentelle. Ensuite, là, pour fabriquer ces petits pots là, avec le cactus. Ah, ça doit être ça, du coup, le gabarit que j'ai vu tout à l'heure. Ah, il y a même des idées pour Halloween. Enfin bref, il y a plein de tutos, plein de feuilles... Pour scraper des champignons, ma chérie, ça c'est pour toi, des licornes. Voilà. Ensuite, plein de petits scrap bidules, de petits cadeaux. On a un superbe agenda rayé. Enfin, je crois que c'est un agenda. Non, un notebook avec un crayon dans les tons de rose, blanc, bleu, noir. On a les petites perles que j'adore. Bon, tu ne regardes pas mes vidéos. Les demi-perles, ça fait un petit peu un effet holographique dessus. Celles-ci, elles sont toutes les couleurs. Je crois que ça vient de chez Zeman, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On a, alors ça aussi, j'en ai utilisé. Vous allez bientôt voir le final du Junk Journal. J'ai utilisé ces stickers-là, justement, avec des hortensias pour faire des tags. Celui-là, je ne sais pas d'où c'est que tu... Enfin, je sais pas d'où ça vient. J'adore la guirlande de fleurs, là. Et on a également des petites paillettes dessus. Ensuite, on a des die-cuts pour mettre en 3D. Alors. Oh, ça, c'est trop beau. Oh, j'adore celle-là. On a un petit côté holographique dessus. Celle-là aussi, elle est belle. On a plein de fleurs. Mais où c'est que tu as trouvé ça? Ah, celle-là, elle est belle aussi. Là, on en a une rose. Ah, elle est blanche, là aussi.
Oh, regarde qu'ils ont les libellules. Magnifique. De grosses méga libellules. Oh, je sais où elles vont finir. Où ça? Je dis pas. Ah non, les fleurs, franchement, je sais pas où c'est que tu as trouvé ces gros, enfin, ces die-cuts là, avec les touches de foil, ça fait super joli pour les mettre en 3D. J'en prendrai quelques-uns pour mettre dans mon junk. Regardez-moi ça. Ça, je crois que c'est une fleur dipomée, si je dis pas de bêtises. Celle-ci. Bon, comme d'hab, je vous montre tout. Hein. Je vous mettrai en accéléré pour ceux qui ne veulent pas voir. Hop. Oh, celle-là aussi, elle est belle. Branche de... Je crois que c'est du salix en fleur. On a celle-ci. Oh, la plume est superbe. Une grosse plume. Celle-là aussi. D'ailleurs, Marie-Sylvie, elle avait une plume dans les cheveux. On a le superbe papillon. Et on a celui-là. Il m'a même mis la mousse 3D. Oh, merci beaucoup. Merci tout plein. Tu me diras juste ce que tu les as trouvés. Ça fait vraiment joli avec... Les touches de feuille, là, elles ne sont pas vulgaires, ça reste discret, regardez-moi ça. Parce qu'il y a des fois, ça fait des gros pâtés, ça fait moche, et là, ça reste discret. Enfin, ma préférence pour celle-ci, j'aime bien. Merci, madame. Je remets dedans avant de les perdre. Je me vengerai. Ensuite, oh, j'aurais peut-être dû commencer par là. Oh, et puis tu me marques merci, c'est à moi de te dire merci. Donc on a une petite enveloppe avec une découpe nœud. Elle a mis du washi. Ah non, ça c'est quoi? Du carton alvéoleux, je sais pas. On a un magnifique papier en 3D, une découpe merci. Avec un petit scratch, ça doit être sa carte. Oh, elle est superbe. Elle a utilisé du papier rayé. On retrouve de nouveau la petite découpe de devant avec le nœud. Encore un merci. Et des petits papillons en 3D. J'aime bien le carton alvéolé doré. Là, je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ça. Ça donne du relief à la carte. Ça fait super joli. Je lis le petit mot. Alors. Oh, merci, c'est trop gentil. Je garde le mot pour moi, mais franchement, t'es adorable. Le seul regret, comme tu l'as dit, c'est vrai, j'y ai pas pensé non plus, c'est de ne pas avoir fait de photo avec vous. Bon, ce n'est que partie remise. Il y aura un salon l'année prochaine, et puis ben voilà, vous reviendrez. Ensuite, elle m'a mis des gabarits pour... je crois que ça vient de chez Action, il me semble. Ça doit être les nouveaux modèles pour faire les petites pochettes. Donc ça aussi, je les utilise pour les junk et puis je mets des petits machins dedans, des tags, des éphéméras, etc. Alors là, on a du noir avec des petits pois en foil argenté. Ici, on en a... Ah non, là, c'est pas du foil, c'est des paillettes bleues avec des fleurs. Là aussi, avec des paillettes et des fleurs. Là, on a du noir, du craft et des paillettes violettes. On a un imprimé un peu foil avec des paillettes violettes. Celle-ci est noire avec un cœur. Et là, on a un cœur, des paillettes violettes et un effet, je ne sais pas, bois. Non, peut-être pas. Bref. Effet marron, enfin, je ne sais pas. Donc, des petites pochettes qui vont me servir donc pour mes futurs junk. Ensuite, elle m'a mis, alors, ah ça j'aime bien, c'est les, vous savez, c'est le papier que j'utilise pour mes tamponnages, le papier un peu satiné comme ça. Ça fait un effet brillant sur les tamponnages ou les découpes, ça fait super joli. Alors elle m'a mis du écru, du rose saumon, un joli verre d'eau, et on a un... Ouais, un peu un verre d'eau avec un imprimé ananas et des triangles. Pour faire des ATC pour cet été, par exemple. On a des flamants roses avec des paillettes.
Alors ça c'est quoi? Des ananas aussi avec des fleurs. On a celui-ci. Ah celui-là il est superbe. Jaune avec des fleurs. On a celui-là. Oh, je crois que tu as dû acheter le même bloc que moi. Tu as dû flasher dessus. Ah non, pas pour tous. Celui-là, je crois que c'est un des derniers blocs vintage qu'il y avait chez Action. Je l'ai trouvé, je l'ai pris aussi. Celui-ci avec les paillettes, le feuillage, il est sublime. On a celui-ci avec un fond vert, des papillons, des fleurs. Celui-ci qui est également magnifique avec des oiseaux, un fond violet pailleté et des fleurs. On a celui-ci avec des feuillages. Celui-là, je l'ai pas. Dans les tons de vert et de noir, on a celui-ci. Il est vraiment beau. On a celui-ci en espèce de peau de serpent ou je sais pas quoi. Voilà, tu as tué quelle bête. On a celui-ci imprimé léopard avec un fond vert, vert d'eau. Et voilà. Ensuite, elle m'a mis des petites roses en mousse. On a une saumon, une violette, une marron, une bordeaux, une vert kaki et une rose un peu moins, un peu plus fuchsia, on va dire. Et là, le truc que j'adore, mon coup de cœur. Ça, j'adore. Elle m'a déjà fait plein de petites choses comme ça au crochet. C'est trop joli. Les choses que vous savez, je suis incapable de faire. On a fait des petits papillons. Dans mes couleurs en plus. Et non, Marie-Sylvie, je ne veux pas de commentaires. Ah, mais tu les as mis en 3D. Ah non, tu les as... Ah si. Alors, attendez. Je suis en train de regarder un truc. Mais... Ah non, je crois qu'elle en avait mis deux. Enfin si, elle en a fait deux. Et elle les a mis ensemble. Pour pouvoir les faire, enfin les mettre en 3D si je les pose sur une créa ou sur une couverture d'album. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est une super bonne idée. Je pensais qu'elle les avait attachées, en fait elle a enroulé de la ficelle autour du corps pour pouvoir les assembler ensemble. Et je pensais qu'elle en avait mis deux et qu'elle les avait attachées ensemble comme ça. Et qu'il y avait deux morceaux, mais en fait non, elle les a cousus ensemble pour faire un papillon en 3D. Mais un peu comme le principe de sa, voilà, sur sa carte. C'est super original. Alors, celles qui savent crocheter, voilà, ça vous donnera peut-être des idées. Donc, on a celui-ci, qui est juste superbe, avec un violet très, très foncé. On a celui-ci, le plus gros, un violet un peu plus clair. Même principe, elle a enroulé la ficelle autour du corps pour pouvoir le mettre en 3D. Et on a celui-ci, c'est un vieux rose, et il est superbe. Et encore une fois, en 3D aussi. Magnifique. Ben voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais reçu. Ah non, il y a ça aussi. Elle m'a mis un petit rouleau avec des perles en forme de cœur. Vous savez, c'est des espèces de guirlandes que j'avais utilisées pour le charme du junk de Magali. Mais c'était des gouttes d'eau. Attendez. J'arrive pas à l'ouvrir. Là. Ça fait des petites guirlandes de perles comme ça, avec des cœurs et puis des petits carrés. Non, des ronds. Hop là. Donc ça, c'est ce que j'utilise. Bah, comme je vous avais montré, je les mets comme ça, sur les junks, sur les charmes des junks. Donc ça, ça va me servir aussi. Voilà, je vous ai montré tout ce que Marie-Sylvie m'avait offert. Merci infiniment. C'est trop, trop gentil. Fallait vraiment pas... voilà, déjà, rien que le fait que tu fasses autant de kilomètres avec ton fils pour venir me voir me combler largement, fallait pas m'offrir tout ça. Mais je veux venger. Plein, plein de gros, gros bisous, en tout cas. Alors, Audrey, j'ouvrirai notre échange dans une autre vidéo parce que j'en suis déjà à 43 minutes plus ce que j'ai filmé avant. Donc, je pense que ça va faire un petit peu trop long. Donc, j'ouvrirai dans une autre vidéo. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous voir. Ça a été vraiment un régal. Et puis voilà, donc je vous fais plein plein de gros gros bisous, je vous remercie encore une fois d'être venu me voir, merci pour les petits cadeaux, pour le moment passé avec moi, et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.